Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve sur YouTube, si on parle cette belle langue de Molière, et on veut tout savoir concernant même les fameux ovnis, ces objets volants non identifiés, le grand minimum solaire. Il n'y a rien qui est oublié ou presque de ce qui pourrait nous importer. Hein? Ce qui est important pour nous... Il n'y a rien qui est oublié. Et tout ça dans la langue de Molière. Sans cachette, sans endoctrinement, sans essayer de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, juste voir les faits et essayer de les analyser des fois de façon rationnelle. Rien de plus. Chers amis, merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux. On est le 29 mai 2019, justement, on va aller faire un saut dans ces histoires de témoignages, d'observations, de phénomènes. Et là, ça nous vient de pilotes de l'armée. Euh, américaines, entre autres. Et on note de plus en plus de ces observations, de ces témoignages, de ces, ob ces objets volants non identifiés. Là, ça le dit bien. On ne sait pas ce que c'est, de quelle origine ils sont. Sont-ils d'origine militaire, de pays euh, ennemis? Tout pourrait être possible, mais il y a quand même des limites à, naturellement, la technologie utilisée dans ce qui nous est rapporté par ces témoignages. Où on parle de vitesse hypersonique, d'objets qui ne font pas de bruit, euh, qui émettent pas de gaz ou de fumée. Enfin, les États-Unis étant l'un des pays les plus riches, avec une des technologies les plus avancées, c'est étonnant. Ce serait étonnant de voir des pays ennemis comme la Chine ou la Russie ou la Corée du Nord qui ont des économies euh, médiocres, des moyens très limités se retrouver avec des technologies plus avancées, disons, que le pays le plus riche au monde. Donc, il y a des explications qui peuvent être prises avec des grains de sel, avec un grain de sel, mais tout est possible, remarquez, si on a comme seul but l'avancement de notre équipement militaire, c'est possible que même des pays euh, étiquetés comme pauvres, avec des régimes tyranniques, qui mettent tout leur argent dans l'avancement de la technologie, c'est possible qu'on puisse arriver à surpasser les États-Unis, mais ce serait quand même étonnant. Ceci étant dit, on va aller voir cette nouvelle-là qui nous provient de Strange Sound, hein? 28 mai 2019, donc c'est aujourd'hui. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Rapport de la US Navy Pilots qui ont vu des objets volants inexpliqués. Donc ces fameux ovnis, n'est-ce pas? objets volants non identifiés. Les objets étranges dont l'un ressemblait à une toupie se déplaçant contre le vent sont apparus presque quotidiennement entre l'été 2014 et mars 2015, haut dans les cieux au-dessus de la côte est. Les pilotes de la marine ont signalé à leurs supérieurs que les objets ne présentaient aucun moteur ou panache d'échappement infrarouge visible, mais qu'ils pouvaient atteindre 30 000 pieds et des vitesses hypersoniques. On a une image ici. Hein? Qui nous vient du New York Times, ces choses-là seraient là toute la journée, a déclaré le lieutenant Ryan Graves. Garder un avion en air nécessite une quantité d'énergie importante. Avec les vitesses que nous avons observées, 12 heures dans les airs, hein? c'est vraiment euh, très, très intriguant. Ces choses seraient là toute la journée, a déclaré le lieutenant Ryan Graves, un pilote de F-18. Euh, F Super Hornet, qui travaille dans la marine depuis 10 ans et qui a rapporté ses observations au Pentagone et au Congrès. Garder un avion en l'air nécessite une quantité d'énergie importante. À la, avec des vite les vitesses que nous avons observées, 12 heures dans les airs sont 11 heures de plus que prévu ou qu'un qu avion normal pourrait euh, passer dans les airs. À la fin de 2014, un pilote du Super Hornet a eu une quasi-collision avec l'un des objets et rapporte... Et un rapport d'accident officiel a été déposé. Certains des incidents ont été enregistrés sur vidéo, notamment celui pris par la caméra d'un avion début 2015 qui montre un objet qui zoome sur les vagues de l'océan alors que les pilotes s'interrogent sur ce qu'ils regardent. Waouh, qu'est-ce que c'est, mec S'exprime-t-on Regarde-le voler, répond l'autre. Personne dans le département de la défense ne dit que les objets étaient extraterrestres et les experts soulignent que c'est. Que des explications terrestres peuvent généralement être trouvées pour de tels incidents. Le lieutenant Graves et quatre autres pilotes de la Marine, qui ont déclaré lors d'entretiens avec le New York Times avoir vu les objets en 2014 et 2015 lors de manœuvres d'entraînement du porte-avions Theodore Roosevelt allant de Virginie à la Floride, ne font aucune affirmation quant à leur provenance. Mais ces objets ont attiré l'attention de la marine qui a publié au début de l'année de nouvelles directives classifiées expliquant comment signaler ce que l'armée appelle des phénomènes aériens inexpliqués ou des objets volants non identifiés. Euh, les vidéos ci-dessous filmées par les pilotes de la marine montrent deux rencontres d'objets volants. L'un d'eux a été capturé par la caméra d'un avion au large de la côte de Jacksonville, en Floride, le 20 janvier 2015. Cette séquence publiée auparavant mais sans contexte. Montre un objet incliné comme une toupie qui se déplace contre le vent. Un pilote fait référence à une flotte d'objets, mais aucune image d'une flotte n'a été publiée. La deuxième vidéo a été prise quelques semaines plus tard. Vidéo, une flotte complète de ces objets-là. Donc assez spectaculaire. Et ça, ça a été filmé par ces fameux pilotes. Joseph euh, Gradisher, un porte-parole de la marine, a déclaré que les nouvelles instructions étaient une mise à jour des instructions adressées à la flotte en 2015 après les incidents de Roosevelt. Il y a eu plusieurs rapports différents, a-t-il déclaré. Certains cas auraient pu être des drones commerciaux, a-t-il déclaré, mais dans d'autres cas, nous ne savons pas qui fait cela. Nous n'avons pas assez de données pour suivre. Tout cela. Le message adressé à la flotte a donc pour objectif de fournir des indications actualisées sur les procédures de compte rendu des intrusions présumées dans notre espace aérien. Les observations ont été rapportées, par le, euh, rapportées euh, au, euh, euh, au programme d'identification de menaces aérospatiales avancées du Pentagone, peu connu, et euh, analysaient les données radar, les séquences vidéo et les comptes rendus fournis par les officiers supérieurs de Roosevelt. Donc, vraiment, on a qualifié ces événements-là de série d'incidents frappants. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein? Et euh, le lieutenant Graves ne peut toujours pas expliquer ce qu'il a vu. L'été 2014, lui et le lieutenant Danny Acoin, euh, un autre pilote du Super Hornet, faisaient partie d'un escadron euh, de la base aéronavale Océana en Virginie qui s'entraînait pour un déploiement dans le Golfe Persique. Les lieutenants Graves et euh, Acointe ont discuté avec le Times des objets. Trois autres pilotes de l'escadron ont également parlé au, Times, au New York Times de ces fameux objets, mais ont refusé de donner leur nom. Les lieutenants Graves et euh, Acointe, ainsi que d'anciens responsables de, des services de renseignement américains, ont été entendus dans une série de six épisodes intitulés Unidentified Inside U.S. Investigation, diffusée à partir de vendredi. Donc, non identifié des, des enquêtes internes. Le New York Times a mené des entretiens séparés avec les principaux participants. Les pilotes ont commencé à remarquer les objets euh, après que le radar datant des années 80 eût été amélioré pour devenir un système plus avancé. Après avoir reçu les nouveaux radars, les avions de chasse ont commencé à observer les objets, mais ils ont ignoré ce qu'ils pensaient être de fausses pistes de radar. Les gens ont vu des choses étranges dans les avions militaires depuis des décennies, a, a déclaré le lieutenant Graves. Nous effectuons cette mission très complexe, de franchir les trente mille pieds d'altitude. Ce serait un gros problème d'avoir quelque chose, de voir quelque chose, d'avoir quelque chose là-haut. Mais il a dit que les objets persistaient, apparaissant à 30 mille pieds, vingt mille pieds, même euh, le, de, euh, à même 20 000 pieds, à même le niveau de la mer aussi. Il pourrait accélérer, ralentir, puis atteindre des vitesses hypersoniques. Donc à la fin de 2014, le lieutenant Graves a déclaré qu'il était de retour à la base de Virginia Beach lorsqu'il a rencontré un membre de l'escadron qui venait de rentrer d'une mission avec un air choc de choc sur le visage. Il a dit qu'il était abasourdi d'entendre les mots du pilote. J'ai presque touché l'une de ces choses, a déclaré le pilote au lieutenant Graves. Le pilote et son allié volaient en tandem à environ 30 mètres de distance au-dessus de l'Atlantique, à l'est de Virginia Beach, quand quelque chose S'est envolé entre eux, juste devant le cockpit. Le lieutenant Grave a dit que le pilote ressemblait à une sphère contenant un cube. L'incident a tellement effrayé l'escadron qu'un rapport sur la sécurité des vols a été déposé. Le quasi-incident, ont-ils déclaré, avec d'autres pilotes interrogés, ont mis l'escadron en colère et les ont convaincus que les objets ne faisaient pas partie d'un programme de drones classés. Les représentants du gouvernement euh, saurait que les pilotes de chasse s'entraînaient dans la région, ont-ils raisonné, et n'enverraient pas de drones pour, euh, se mettre à travers. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on a demandé ce qu'ils pensaient être les, ce que pensaient être les objets, les pilotes ont furisé, refusé de spéculer. Nous avons des hélicoptères en vol stationnaire, a, a déclaré le lieutenant Graves. Nous avons des avions pouvant voler à 30 000 pieds et à la surface, mais combiner tout cela dans un véhicule de quelque type, que ce soit sans moteur à réaction, ni panache d'échappement. Euh, C'est un petit peu étrange. Le lieutenant Acoint a seulement déclaré Nous sommes ici pour faire un travail avec excellence, pas pour inventer des mythes. Incroyable. Les incidents ont diminué après leur départ des États-Unis ont indiqué les pilotes. Donc, en mars 2015, les Roosevelt ont quitté les côtes de la Floride pour se rendre dans le golfe Persique, dans le cadre de la mission menée par les États-Unis contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Les mêmes pilotes qui interagissaient avec les objets étranges au large de la côte est, effectuait bientôt des missions de bombardement sur l'Irak et la Syrie. Donc vraiment étrange, vraiment révélateur aussi de ce qui se passe dans le ciel. Est-ce que c'est des missions euh, armées ennemies? Est-ce que c'est des missions internes? Est-ce que c'est des technologies qui viennent de l'autre monde? Hein? C'est vraiment toutes des questions qu'on peut se poser, mais enfin, c'est de plus en plus évident que il y a des choses qui sont observées et même par l'armée et que c'est plus juste du délire ça devient assez sérieux